Nous avons choisi de venir ici parce que, dans le droit fil de ce que vient de dire Pierre Mansa, il y a aujourd'hui un déficit de débat public autour de la question de la constitution de cette métropole, à quoi elle va servir, pourquoi ses limites sont ce qu'elles sont, quelles seront ses compétences, et finalement dans tout ça, au-delà des questions presque techniques qui se cachent derrière le périmètre ou les compétences ou la fiscalité, il y a l'idée du projet. Et qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui fait qu'il y a une identité naissante autour de cette notion de Grand Paris ou pas. Donc là-dedans, la place du citoyen, elle doit être effectivement de venir dire au maximum les choses. Et si nous sommes à Nanterre, c'est effectivement parce qu'il y a ici une habitude de débat autour de ces questions et que nous nous inscrivons finalement dans le fil de quelque chose qui existe déjà, croisé avec une nouvelle manière de procéder de l'Atelier international du Grand Paris. Longtemps, les débats sont restés plutôt internes par rapport au Conseil scientifique ou à la IGP, partagés parfois avec les élus de Paris Métropole ou quand la IGP était invitée, mais très rarement avec les habitants. Et c'est le Conseil scientifique qui a souhaité, en ce début de IGP 3, que nous sortions le plus souvent possible. Donc à chaque fois qu'il y a un approfondissement sur une question, et je reviendrai ensuite sur celle de la gouvernance, eh bien il y a une ou deux semaines après, le temps que soient digérés les débats qui se sont tenus en interne, il y a un débat public, un exposé public, avec à chaque fois deux équipes qui acceptent de venir présenter le résultat de leur réflexion, accompagnées d'un certain nombre d'experts. La question, et donc je remercie particulièrement Béatrice Mariol et Roland Castro, on a tout mélangé sur la, si c'est rigolo, d'être là et de venir nous dire leur point de vue, mais aussi les expériences de terrain et les retours, soit parce qu'il y a en Seine-Saint-Denis des expériences très, très particulières, soit parce qu'il y a un regard aussi académique et une expertise, et je remercie très particulièrement Jacques Lévy d'être nous avoir fait vraiment l'amitié d'être avec nous ce soir. La question de la gouvernance, elle est multiforme. Voilà deux façons de l'aborder. L'intérêt métropolitain et la notion de qui est désigné, est-ce qu'il faut un maire, est-ce qu'on est dans un processus habituel de désignation d'une démocratie représentative. La question, elle peut être aussi plus profonde que ça. Pierre disait tout à l'heure que nous sommes à la confluence cette année, mais ça ne va pas s'arrêter cette année. Nous sommes à la confluence de deux réflexions lourdes, qui est l'affirmation d'une nouvelle, peut-être, identité métropolitaine et la nécessité de concevoir des stratégies d'adaptation au dérèglement climatique. Donc la COP21, c'est vrai, elle va venir au Bourget en novembre et décembre de cette année. Mais la crise climatique, elle ne va pas s'arrêter une fois que la COP sera terminée, quelles que soient par ailleurs les décisions de la COP. Donc nous sommes dans un processus d'adaptation qui risque d'être un processus parfois brutal, nous l'espérons régulé au mieux possible, mais dont on ne sait pas ce qu'il sera demain. Dans les processus de mutation lourde que connaissent nos sociétés, eh bien, la question démocratique, elle est nécessairement centrale. Il y a de tas de manières pour un groupe humain de s'adapter à une crise. Parfois c'est la guerre, parfois c'est l'appropriation des moyens de survie par quelques-uns, parfois c'est la solidarité. Rien n'est écrit de ce que sera la réponse d'une collectivité, d'une société, quelles que soient ses limites, face à une crise avec laquelle, différence avec une bonne guerre, on ne signe pas de traité. Donc, le dérèglement ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Notre adaptation devra de toute manière s'effectuer. Et à partir de là, quelle est notre capacité démocratique à penser la mutation et à la penser, nous l'espérons, dans un idéal de solidarité. La question démocratique, elle est reposée aussi par ces questions de crise. Et au passage, j'en profite pour vous dire que demain, le séminaire se tiendra sur la question de la résilience. Quelle est notre capacité face à une crise, de nous adapter. C'est tout le séminaire de demain, ça sera toute la question vive prochaine, mais ce soir, place à vous pour débattre de cette question démocratique large. Eh bien, merci Mireille Ferry, merci Pierre Mansa pour ce passage de relais. Et avoir tout dit, il ne me reste plus qu'à tendre le micro aux intervenants pour qu'ils réagissent. N'empêche, je ne résiste pas quand même à la tentation de vous dire à quel point... de mémoire d'animateur, c'est la première fois que j'anime une table ronde, avec deux questions pour le prix d'une. Qui décide de l'intérêt métropolitain? C'était la question initiale. Et c'est à poser comme une motion la question de savoir s'il faut un maire pour le Grand Paris. Alors, ce que je vous propose, hein,
c'est une ligne directrice en essayant de tenir d'une main la nécessité de donner à entendre tous ces citoyens que vous évoquiez, Mireille et Pierre, c'est-à-dire les entreprises. Nous sommes dans le siège d'une entreprise, les habitants, les usagers, etc. Comment entendre leurs besoins et faire en sorte qu'ils puissent concourir à la définition de l'intérêt. Donc comment renouveler les modes de concertation, tenir d'une main cela et tenir de l'autre main la nécessité de définir une gouvernance à l'échelle métropolitaine qui a à être plus dans une logique top-down. Il me semble que top-down, bottom-up, c'est le balancement permanent dans lequel on va être au cours de cette soirée et on va essayer de naviguer ensemble en profitant, comme vous l'avez dit, eh bien de la richesse des intervenants présents ici avec, à défaut d'un respect de la parité, une surreprésentation des architectes urbanistes. Pardon ? Roland Castro, vous interviendrez quand je vous demanderai de le faire. Voilà, la gouvernance commence comme cela. Voilà. À tout à l'heure, donc. Mais donc, une diversité, une surreprésentation. On a un géographe qui nous sera peut-être quand même utile, je le présenterai tout à l'heure, pour nous éclairer sur en quoi l'échelle métropolitaine peut être intéressante pour traiter de questions sociétales. Et puis, on a un élu. Un élu, c'est vous, Patrick Jarry, maire de Nanterre, très impliqué dans la réflexion sur la gouvernance. Bien évidemment, vous avez pris des positions très fortes. Oh, non pas tant dans l'esprit de défendre le clocher communal face à ce monstre du Grand Paris, mais essayer de sensibiliser au fait que ce n'est pas forcément à cette échelle-là que tout se fait. Mais auparavant, j'ai envie de vous féliciter, j'ai envie de vous dire bravo. Nous sommes à Nanterre, capitale européenne, donc quasi mondiale, du basket. Nanterre, après 17 ans d'existence, est devenue championne d'Europe. Alors, si j'évoque ça, ça peut paraître hors sujet, dans mon esprit, ça nous permet en fait d'entrer dans notre sujet, parce que c'est un bel exemple, et j'aimerais que vous réagissiez à ça, si vous vous retrouvez dans mes mots, de l'importance de s'inscrire dans la durée, 17 ans hein, pour monter aussi haut, est-ce qu'il en faudra autant d'années pour voir un Grand Paris sous une forme ou sous une autre, un esprit d'équipe, forcément, entre les joueurs et les managers, et des spectateurs qui soutiennent. Mais alors, est-ce que c'est une belle métaphore de ce qu'il faudrait faire pour le Grand Paris ? Est-ce que les communes seraient de bonnes spectatrices, supportrices de ce projet ? Et à quel titre, de quelle façon ? Patrick Jarry. Non, mais peut-être que l'exemple du basket, ça montre que c'est peut-être à partir des banlieues, à partir des marges de ceux qui sont à la marge du pouvoir, de la culture, du sport, qu'on peut au contraire révolutionner la métropole, et en tout cas qu'on apporte donc dans un espace basket d'un sport professionnel écrit par avance où la réussite se mesure uniquement à la longueur au total du budget, aux euros accumulés. Ouais, notre histoire montre qu'on peut parvenir à faire autre chose, quoi. Donc, oui, il y a une histoire un peu entre Nanterre et Nanterre qui, depuis 50 ans, défie la défense, le plus grand quartier d'affaires d'Europe, et qui, en même temps, trouve par les voies du basket cela. Ici, vous êtes... d'abord, je suis content de vous accueillir. Alors, Pierre m'a demandé si on pouvait accueillir à Nanterre l'IGP. Je lui ai dit oui. Après, j'ai essayé de réfléchir avec lui un lieu qui permette à des Parisiens de ne pas être trop effrayés de venir jusqu'à Nanterre. Et puis, un endroit qui soit en même temps à Nanterre. Alors, j'ai pensé à ce lieu. Donc, je remercie évidemment AXA de nous accueillir. En même temps, ce lieu, il est, pour le débat qui est le nôtre, après, c'est tout à fait symbolique. Si, ici, vous êtes dans un lieu où, si les habitants, les acteurs de la ville, appuyés avec des élus, utilisant tous les pouvoirs que leur donnaient les droits de la décentralisation,
celui de donner des permis, celui d'avoir des plans locaux d'urbanisme. Si on n'était pas dans une histoire comme ça, ici, aujourd'hui, il y aurait 2 400 000 m² de bureaux et de logements, puisque c'est ça que c'est le projet qu'avait imaginé Michel Delbarre lorsqu'il avait, il était ministre, il avait annoncé depuis la tour, depuis l'Arche de la Défense, il avait annoncé un 10 août, il avait annoncé que voilà, il voyait bien l'extension de la Défense sur Nanterre, il imaginait bien 2 400 000. Alors, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, il y a, vous le voyez, comment est l'aménagement, il y a 600 000, on est en train de construire 600 000 m², 300 000 m² de logements, 200 000 m² de bureaux et puis 100 000 m². Alors ça, c'est le président de l'EPDSA qui se manifeste non, là. Non, c'est le maire de Nanterre qui est dans les débats qui sont tout à fait intéressants sur la question des pouvoirs, des responsabilités, voilà. Des droits des communes, des droits des habitants, etc. C'est intéressant. L'endroit où vous êtes tout à fait intéressant puisque on est dans un endroit où il y avait un chef. Hein, c'est-à-dire ici, il y avait un chef. On était dans un endroit où les communes n'avaient pas de droit, hein, puisqu'on était dans une opération d'intérêt national. Et là, pas la méthode light qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui, à l'époque, une vraie, quoi, un vrai État désigné. Voilà, et puis, il n'y avait même pas de plan d'occupation des sols. L'État construisait, c'est étonnant d'ailleurs, hein, il construisait sans projet. Sans... Bon. Donc, on est dans un endroit où, où on parlait tout à l'heure, il y a la culture du débat. Sur les questions urbaines, hein, sur la ville, il y a surtout une culture de la confrontation sur la ville. Hein, c'est-à-dire que... et donc, dans un endroit comme celui-là, donc dans cette histoire-là, la question donc, du droit des habitants et de la capacité de peser dans le débat fait que... Je suis allé dans pas mal de quartiers d'affaires du monde et d'Europe... Cet endroit, la France, a la chance d'avoir un des rares quartiers d'affaires du monde où les populations pauvres ou démunies n'ont pas toutes été Alors, Patrick Jarry, permettez-moi. Virer de l'espace. Voilà. Alors, vous me donniez l'impression de tourner autour du pot d'un des arguments forts que vous aviez à avancer, que vous avez avancé pour justifier une contestation du Grand Paris tel qu'il se préfigurait, avec le risque que la question, toutes sortes de questions, y compris la question sociale, soit traitée à cette échelle-là. Et votre argumentaire, et je vous demanderai de le préciser, et on poursuivra la discussion, parce que je compte sur vous aussi pour réagir à ce que diront les autres, a consisté à dire mais c'est pas à cette échelle-là qu'on voit les inégalités sociales, c'est à une échelle moindre que l'on doit intervenir pour y répondre. Cette idée-là depuis 10-15 ans, en tout cas 10 ans, moi, puisque je suis maire depuis 10 ans. 2004. Nanterre et les élus de Nanterre sont convaincus que l'espace métropolitain il existe et que les droits des habitants dans la ville sont insuffisants si on ne se mêle pas de cet espace métropolitain. D'accord. Si on n'y intervient pas, si on laisse finalement le mouvement métropolitain naturel se faire, alors ce mouvement métropolitain, pas simplement à l'échelle française, mais à l'échelle européenne et internationale, il construit, il produit des métropoles inégalitaires, des inégalités qui se renforcent, pas simplement en France, et avec l'idée même qu'on a avancé cette idée qu'il n'y avait pas d'avenir pour les métropoles si elles continuaient des inégalités. Donc nous, on n'est pas du tout parti de l'idée, on est au contraire parti de comment, quelle proposition développer, et éventuellement quelle institution mettre en place qui permette de à la fois travailler à l'échelle de la ville, du territoire, et en même temps à l'échelle métropolitaine. La seule chose que je donne à travers mon exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est que lorsqu'on veut réfléchir à la question institutionnelle, qui est tout à fait importante, bien sûr, évidemment, il faut la penser, on voit bien, en tout cas pour ce qui est de mon point de vue, à l'échelle métropolitaine, avec à la fois le besoin
de la proximité, de la capacité des populations de peser, de s'exprimer, de contester, de suggérer, et puis en même temps, le besoin de solidariser les territoires. Voilà. Alors, c'est le balancement. C'est ça la question. Voilà, Patrick, hein, il me semble que c'est le balancement que j'évoquais en préambule, entre, pour parler vite, le bottom-up et le top-down. On va essayer de préciser cela. Je sais que vous vouliez venir avec des cartes qui donnent à voir ces fameuses inégalités, mais rassurez-vous, on a un géographe, et quel géographe, qui nous vient de Suisse, et qui aura des choses à nous dire sur comment il envisage... Alors, je le dis, de Suisse, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, et est-ce que ce décentrement permet de voir des choses que nous autres, perdons de vue? Mais à ce stade, oui, Jacques, j'aimerais que, vous nous donniez à voir des cartes qui montrent ces inégalités, d'autant plus que vous n'en tirez pas forcément les mêmes conclusions au plan institutionnel. Donc, ça serait intéressant de voir. Alors, c'est moi qui les lance, puisque j'ai l'appareil. Alors, il y a un petit tableau, peut-être, auparavant, voilà. Est-ce que vous oui, alors, qui nous parle de la place de l'Île-de-France en France, à la fois du point de vue de la production et des inégalités. Donc, ces chiffres sont datés d'il y a quelques années. Actuellement, l'Île-de-France produit 31% du PIB de la France. Ça devrait lui donner des moyens pour traiter des inégalités internes. D'autant plus que, comme on le voit dans les dernières lignes du tableau, avec les déciles, les revenus classés par déciles, en fait, il y a beaucoup de pauvres en Île-de-France. Donc, on a un paradoxe qui est que dans un espace métropolitain qui produit beaucoup et où il faudrait faire plus qu'ailleurs, qui produit beaucoup, donc où a priori il y a beaucoup de moyens et où il faudrait faire plus qu'ailleurs pour lutter contre les inégalités, avec des moyens modernes, je dirais, pour lutter contre les inégalités, pas seulement la redistribution, eh bien, en fait, c'est pas ce qui se passe. Et personnellement, il y a eu un moment important dans ma vie, c'est quand j'ai appris que l'État français dépensait moins par élève en Seine-Saint-Denis que dans la moyenne nationale. Donc, le système des échelles tel qu'il fonctionne en France, avec une forte autonomie communale et un pouvoir central peut-être légèrement affaibli, mais quand même encore puissant, et je dirais le couple constitué par ces deux éléments, est producteur d'inégalités. Ce n'est pas seulement qu'il ne lutte pas assez contre les inégalités, c'est que, vu l'importance du public, de la fonction publique, de l'argent public dans la vie sociale du pays, c'est aussi un élément de production des inégalités. Donc ça, c'est quand même un peu préoccupant, et donc je réagis, bon, ce n'est pas exactement ce que le maire de Nanterre a dit, mais disons, je réagis à l'idée, un peu implicite, me semble-t-il, enfin, il va me dire si je trahis sa pensée, que ce serait en donnant plus de pouvoir à des échelles infra-métropolitaines qu'on lutterait le mieux contre les inégalités. Ma réponse est clairement non, parce qu'on a une expérience historique de longue durée qui prouve que les inégalités ne sont pas seulement causées par la fragmentation des pouvoirs, mais la fragmentation des pouvoirs a joué un rôle incontestablement, notamment avec le processus de renforcement des clientèles politiques, a joué un rôle dans la ségrégation, c'est-à-dire qu'en fait, les communes de la ceinture rouge ont eu tendance spontanément à attirer, parce que ça renforçait le pouvoir politique que j'appelle infralocal de la commune, à renforcer donc en fait la présence des pauvres sur leur territoire, alors qu'inversement, les communes aisées avaient tendance à renforcer la présence des populations aisées. Donc il y a une espèce de complicité objective, d'échange de populations, de changer le peuple, comme dirait Bertolt Brecht à propos de 1953, qui est, à mon avis, un crime contre l'urbanité. Hein, donc je veux dire que ce ne sont pas les structures qui ont contribué. Il n'y a pas que ça qui a contribué. Hein. Il y a aussi le mouvement spontané des habitants, il y a aussi la politique d'État du logement. Enfin, il y a plein de choses. Je ne veux pas dire que c'est juste seulement la fragmentation, mais la fragmentation communale associée à un pouvoir central assez aveugle
ont contribué à augmenter les ségrégations. Jacques Donc, il me semble qu'il est temps, il est temps, et justement, on en a l'occasion avec les discussions sur un redécoupage des pouvoirs et l'émergence d'un pouvoir métropolitain, il est temps, à mon avis, de s'atteler à cette question. Et donc, ma réponse à la question, quel est l'intérêt, je ne dois pas répondre. Non, justement, juste, Patrick Jarry interviendra. Oui. Je souhaitais juste ouvrir une parenthèse pour dire que le propos que vous venez de tenir est une belle illustration de cette géographie politique, parce que j'ai été un peu rapide dans ma présentation, que vous incarnez, c'est-à-dire une géographie qui montre comment, quel est l'échelon territorial pertinent pour être en cohérence avec les réalités sociales, économiques, culturelles d'un territoire. Là, il me semble. Donc, ce que j'aimerais ensuite, c'est quand même que vous précisiez la carte ça. Aussi. Voilà, alors, parce que, d'une part, je voulais dire, à cette échelle donc de la métropole, en gros, l'Île-de-France, c'est un cas particulier en France, c'est-à-dire qu'on a une correspondance assez bonne entre un espace fonctionnel qui est, disons, l'aire métropolitaine, assez bien décrite par l'aire urbaine de l'INSEE. Hein, donc il y a une très forte coïncidence entre l'aire urbaine de Paris et la région Île-de-France, avec des petits décalages, mais qui sont minimes, et il n'y a aucun endroit en France où cette correspondance est aussi bonne. Et donc ça veut dire que l'intérêt métropolitain, finalement, on a déjà quelque chose qui est la région Île-de-France pour l'accrocher. Et alors, par ailleurs, je pense qu'il est très important de ne pas la fragmenter, cette aire urbaine du Grand Paris, donc assez bien incarnée par l'Île-de-France. C'est le fait que, en gros, bon, ça a été dit par beaucoup de gens avec des mots divers, mais il y a trois zones principales dans les grandes villes en Europe et on pourrait presque dire dans le monde. Il y a un centre, et en Europe, les centres des grandes villes ne vont pas trop mal à condition de les surveiller comme le lait sur le feu, c'est-à-dire d'éviter un embourgeoisement trop fort des endroits les plus attractifs. Mais quand même, si vous regardez cette carte, donc cette carte, en fait, c'est un indice synthétique de mixité socio-économique, hein, à partir des revenus. Et donc, comme vous voyez, même de loin... On vous fait confiance, gros, hein, franchement. Oui, c'est compliqué d'ailleurs à calculer. Hein, vous ne devez pas me faire confiance. Mais disons, voilà, c'est une tentative qui rejoignait d'ailleurs d'autres mesures qui aboutissaient aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que c'est en gros dans la zone centrale qu'il y a le plus de mixité. La zone, c'est-à-dire en gros l'essentiel de Paris intramuros et une bonne partie de la banlieue proche. Et plus on s'écarte du centre, plus on a des sous-ensembles qui sont homogènes socio-économiquement. Donc en fait, on a moins de mixité, on a plus d'homogénéité, moins de diversité. Donc c'est pour ça que je disais que le centre va relativement bien. C'est aussi, il va bien pour l'urbanité. Il va bien aussi pour le développement durable, parce que c'est finalement, sans qu'il y ait eu des politiques très très fortes dans ce sens, c'est quand même là où la part de marché de l'automobile a baissé considérablement. Hein, c'est là où la marche à pied est le moyen de transport le plus banal. On a mis longtemps à le mesurer. Autrefois, on ne voulait pas mesurer ça. Jacques, bon, voilà. Jacques, donc, voilà, à ce stade, je ne comprends plus. Hein, parce que là, première zone qui ne marche pas trop mal. Cette région métropolitaine n'est plus aussi homogène que vous semblez l'indiquer. Non, mais elle est justement... elle comprend plusieurs types de problèmes. Mais donc, la banlieue, où j'ai parlé des poches de pauvreté, je n'insiste pas, elle est diverse, la banlieue. Et troisièmement, le périurbain, où là, il y a un risque réel de sécession sociale et politique. Et donc, ce que je veux dire en conclusion, c'est que il faut absolument garder ces solidarités qui font la société francilienne. C'est-à-dire qu'on n'a pas une association de plusieurs sociétés. Ce n'est pas comme la construction européenne avec la France, l'Allemagne, la France ayant une autonomie. C'est-à-dire la banlieue toute seule ne peut pas exister comme société urbaine. Le périurbain tout seul ne peut pas exister. D'accord. Et le centre non plus. Donc, il me semble que là, il faut bien qu'on situe le problème institutionnel. On n'est pas dans la définition de politique publique. On est dans la définition d'un cadre constitutionnel d'une société, c'est-à-dire comment faire pour qu'une société puisse se gouverner. Et donc, les questions de périmètre sont quand même décisives. Hein. Et donc, je suis vraiment, je peux le dire, en tant que chercheur, presque pas en tant que citoyen, je suis scandalisé du fait que le Parlement
et décidé de fabriquer deux entités, donc la métropole sur les départements centraux et de laisser la région avec des distorsions aberrantes. Enfin, je veux dire, moi, j'aime bien dire, j'ai déjà dit ça, alors peut-être certains m'ont déjà entendu dire ça, mais je vais quand même le répéter. Si un étudiant de première année en géographie ou en urbanisme proposait ça, je lui mettrais zéro et je lui dirais, je ne veux plus te voir dans mon cours. Comment peut-on donner les transports à une entité et l'urbanisme à une autre sur un périmètre qui se recoupe? Comment peut-on faire le métro du Grand Paris l'essentiel des développements en dehors de son propre périmètre? Donc on est dans l'aberration et on est en fait dans la continuation du compromis de la Troisième République, en fait, hein, qui est que l'État protège les entités infra-urbaines contre l'émergence de pouvoirs métropolitains. Donc on n'est toujours pas sorti de cette domination. Jacques, c'est bien. Mon voisin, rassurez-vous, m'interdit de vous interrompre parce que et je comprends. Vous versez de l'eau dans son moulin. Il me semble quand même, vous qui appelez de vos voeux un maire, sauf que, Jacques, on reviendra vers vous. Vous n'en tirez pas forcément les mêmes conclusions institutionnelles et on essaiera de voir comment. Bon, Patrick Jarry, est-ce que vous voulez patienter ou on poursuit quand même dans la réflexion qu'a engagée, puisqu'il me semble que vous appelez de vos voeux la création d'un maire, alors, qui puisse avoir une vue d'ensemble. En tout cas, est-ce que c'est comme ça que vous recevez ces propos, Roland Castro? Non, moi j'ai entendu que le métropole n'est pas le bon périmètre. Bon, parce que moi, la même carte qui a été faite, que je trouve formidablement juste, avec je retiens dans les mots inflationnistes après apartheid et ghetto, crime contre l'urbanité, je trouve ça pas mal. Bon, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et en plus, c'est pas complètement, à mon avis, nous, dans notre projet du Grand Paris, je sais pas si on va le voir, on l'avait appelé du devoir d'urbanité. Et nous, on bataille pour qu'il y ait un quatrième droit fondamental qui permet de vivre ensemble. Le premier a été fait à la Révolution française, c'est le droit au droit. Tout le monde est égal en droit. Évidemment, dirait Coluche, c'est qu'en droit. Okay. Jules Ferry installe l'égalité des chances avec l'école publique. Évidemment, ça ne marche pas très bien, comme dit Bourdieu, mais c'est installé. Le gouvernement de la résistance, enfin, issu de la résistance, crée la sécurité sociale, le droit, non pas à la santé, comme certains démagogues le disent, mais aux soins. Bien. Et c'est vrai que dans tout notre travail depuis 30 ans, 40 ans, l'idée que l'urbanité est un droit fondamental, c'est-à-dire pour chaque enfant de notre pays, une égalité apparente de destin, pour qu'il n'y ait pas ceux de la ZUP et les autres, ce qui est la réalité sensible, factuelle des enfants de notre pays, ceux de la ZUP et les autres. Et ça, c'est vrai que c'est un droit, à mon avis, qui... c'est une bataille politique qui est amenée à l'échelle communale et à l'échelle de la nation, voire même de l'Europe. Bien. Je ne sais pas si je peux en dire plus. Si je peux en dire plus. Si je peux en dire plus. Vous êtes venu avec quelques cartes, là. La carte qu'on a mise là, c'est notre projet du Grand Paris. Voilà. Malheureusement, il manque tout ce qu'il y a autour. Alors, je ne sais pas pourquoi. La première carte, là, ça m'énerve. Notre première carte, elle a tout un tour dans lequel il y a d'un côté les 1001 villages. Enfin bref, je ne vais pas vous la refaire. Donc ça, c'est un résumé de notre Grand Paris, mais il ne s'explique pas si on a... Il n'est pas intéressant à expliquer si on n'a pas tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire... Bon, il y a simplement, je vous signale deux choses qui sont intéressantes dans ce plan qui raconte un Grand Paris multipolaire. C'est le dessin du haut. Il y a trois dessins très importants. Le dessin du haut, qui est le nœud boréméen de Lacan, en gros, pour dire qu'une ville, c'est le nœud entre du symbolique, de l'imaginaire et du réel, et que la fabrication technique de la ville a forclos totalement la pensée du symbolique, notamment dans la production du logement de masse issu de la pensée du monde moderne, que, évidemment, ce sont des territoires sans poésie, et dans lesquels l'imaginaire ne se développe pas. Il n'y a que du réel. Bon. Et ce nœud broméen, il dit que n'importe quel être humain
quand on coupe, ce nœud est spécial, parce que dès qu'on coupe un des brins, tout fout le camp. Par exemple, dans l'être humain, vous, moi, tout le monde, moi qui voulais préciser tout à l'heure que je me pense, je me fantasme comme un mental féminin, donc j'en ai par-dessus la tête de la parité, vu d'une façon sexuelle, naïve. Bon, je reprends. Oui, et alors, je dis simplement que, par exemple, exemple de ce que c'est que ce noboroméen lacanien, c'est que dans le cadre de la psychose, il y a ce que Lacan appelle la forclusion du nom du père. La psychose est autorisée par la panique produite par l'absence de représentation symbolique ou réelle du père. C'est la même chose. Par exemple, on est ici dans un territoire dans lequel un bâtiment, il y a un architecte en chef. D'abord, dans ce territoire, c'est le nôtre. Ça fait 40 ans, 400 ans qu'il bosse son contrat. Et contrairement au code des marchés publics, on ne renouvelle pas son contrat tous les deux ans. Donc, et donc la Grande Arche a inventé, a réinventé la défense parce qu'elle a mis du gratuit pour très cher, un trou dans lequel le ciel passe et dans lequel on peut mettre Notre-Dame. Et grâce à Antoine Grabat qui est ici, qui a eu l'intelligence dans le cadre d'un concours de fouiller parmi les panneaux, parce que évidemment l'architecte qui avait dessiné à la main gentiment comme un architecte très très poète qu'il était, et qu'il fallait son truc était invisible, c'était dessiné à la main comme un vrai artiste, et c'est Antoine qui a voulu voir tous les projets avant que le jury, la commission technique, ait déjà éliminé la Grande Arche. Tout ça, c'est un petit mot sur pour dire le fonctionnement des jurys. Comme Antoine est là, je lui rends deux hommages. D'abord, le premier est celui-là. Le deuxième, il est, on pourrait certainement. Le deuxième, il est que moi, personnellement, je pense qu'il faut, comme territoire du Grand Paris, là, ce qu'on appelle la zone agglomérée, c'est pas une zone. Donc, ça prend presque toutes les villes nouvelles, ça prend pas tout Marne-la-Vallée, et ça surtout, ça fait pas que la A86. Ça fait la 104. Ça fait la 104. Parce que le vote Le Pen s'est affaibli, enfin pas affaibli, il est moins fort autour de la 86. Et la production de vote Le Pen raconterait la même histoire. Et la production de l'abstention, voilà, il y a deux critères politiques. Les grands ensembles, c'est prouvé. Dans une ville, tu as le grand ensemble, et puis le reste de la ville, Astin, c'est précis. Quand il y a 50% de votants, dans Clos-Saint-Lazare, il y en a. Trois fois moins que le reste de la ville, et c'est comme ça dans tout le territoire, quand c'est moche, ce que disait mon copain Jean-Paul Dolé, il n'y a pas de démocratie du lait, quand il n'y a pas de civilité, quand il n'y a pas de citadinité, la citoyenneté est affaiblie. Bon, alors tout ça pour dire que le bon territoire, c'est celui qui est, tant que c'est continu, on n'a qu'à dire ça en vitesse, tant que c'est continu, c'est le bon territoire. Donc, c'est évidemment pas l'ancien département de la Seine enfin refait. Parce que, évidemment, ce compromis fabriqué à l'époque gaulliste qui partageait le territoire entre les deux seuls acteurs sérieux de l'époque, comme disait Malraux, les gaullistes et les communistes, malheureusement n'a plus de sens parce que les gaullistes, on cherche, et les communistes, c'est plutôt à titre individuel pour Patrick et moi. Bon, par exemple. Voilà. Oui. Bon, moi, il n'y a plus que moi. D'accord. Et donc, le bon territoire, c'est celui-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas du tout les seulement les trois départements, c'est un morceau de l'Essonne, un morceau des Yvelines, un morceau du Val d'Oise, c'est pas toute la Seine-Saint-Denis, un petit bout en haut qui peut se barrer, et c'est un morceau de la Seine-et-Marne. Roland, bon. Je suis animateur, j'anime et je pose des questions. Ça permet de prolonger la réflexion. C'est que, d'accord, et je trouve que j'observais Jacques Lévy, je trouve que voilà, ça abonde dans son sens quant à l'analyse qu'il fait des dynamiques du territoire. Ce que j'aimerais, c'est que vous montriez comment, à défaut d'être gaulliste et communiste aujourd'hui, vous êtes
jacobins et girondins dans votre manière d'appréhender ce fameux maire du Grand Paris. Et vous êtes venu avec un petit schéma, qui est moins joli que la carte qu'on a sous les yeux, mais tant pis, elle a au moins le mérite d'être claire. Alors, vous avez imaginé un schéma, et ça sera intéressant ensuite. Voilà. Alors, en quoi ça consiste, ce maire ? L'idée, d'abord, c'est que l'échelle de décision n'appartient même pas aux citoyens uniquement du territoire que je vous ai dessiné, elle appartient à la nation. La décision de fabriquer le Grand Paris appartient à la nation. Paris appartient à la nation, et comme disait Brodel, n'oubliez jamais, il n'a pas terminé le bouquin, que Paris, c'est la France. Première question. Donc l'instance décisionnelle, c'est au niveau du président de la République ou du Premier ministre, c'est pas au niveau d'autre chose. Donc c'est-à-dire c'est au niveau des citoyens de tout le pays et par ailleurs évidemment des citoyens franciliens. Bien. Dans le dans ce qu'on propose, qui est extrêmement simple. Je vous passe le fait que ce qui est jacobin, c'est que le Premier ministre dit au mec de la SNCF, au mec de la RATP, dans 8 jours. C'est terminé, vous bossez ensemble. Vous arrêtez que d'un côté le RER et des sigles inextricables quand c'est la SNCF et des sigles compréhensibles quand c'est... Vous arrêtez la cadence normale pour les RER RATP et le chemin de fer pour les RER de banlieue, par exemple. Bon. Et alors, ça veut dire que il y a une échelle métropolitaine du Grand Paris, ce qui suppose un maire du Grand Paris élu au suffrage universel par les habitants de ce Grand Paris que nous avons dessiné, qui lui est multipolaire. Il y a à l'intérieur de ce Grand Paris une série de communautés de communes unifiées pour des raisons géographiques et non pas pour sur des connivences politiques. Épinay-sur-Seine, par exemple, n'a rien à foutre dans pleine commune. Mais par contre, il y est pour des raisons de connivence politique. Alors qu'il y a des morceaux de territoire dirigés par la droite qui ont vocation à être dans pleine commune. Parce que c'est la géographie et l'intérêt général qui doit présider à la décision des communautés de communes. Il en faut environ ce que Yves Lion appelait ce Paris de 10 millions d'habitants avec 20 villes de 500 000 habitants. Ça veut dire que on peut imaginer 20 opéras et 20 équipes de foot. Ce n'est pas du tout ce Grand Paris entièrement obsédé par son centre historique. Et je dirais, le parc de la Courneuve, de ce point de vue-là, de notre point de vue, c'est un des premiers, c'est le premier projet Grand Paris qui est présenté parce qu'il veut avoir une attractivité aussi importante que le centre de Paris et parce qu'en plus, c'est un acte de mixité sociale volontaire avec de l'embellissement qui est le seul moyen qui est dans certains coins, la mixité. La loi SRU permet de mettre de la mixité quand c'est beau. Bon, d'ailleurs, elle devrait dire les préfets, s'il n'est permis, s'il ne mérite pas d'accord. Mais dans l'autre sens, il n'y a que l'embellissement et l'attractivité qui permet que certaines classes veuillent habiter à Stein ou à la Courneuve. C'est le sens du projet qu'on a fait le parc de la Courneuve. Je reviens à mes moutons. Premier mouton, un maire élu au suffrage universel. Deuxième échelle, des présidents de communautés de communes pertinentes élus au suffrage universel. Troisième échelle, les communes, toutes les communes telles qu'elles sont aujourd'hui. Compétence, la commune, la solidarité et la beauté, la gueule de la commune. Les hauteurs des bâtiments, l'urbanisme, le dessin urbain et les compétences économiques à l'échelle communauté de communes. Mais le permis de construire, pour ce qui est de... Ouais, en gros, ça veut dire que si on décide que ça fait 30 étages ici, la commune a une opinion sur la gueule de la chose. Mais la décision de 30 étages ne vient pas de la commune, elle vient de la communauté de communes. Donc ça veut dire que les communautés de communes, c'est en gros l'urbanisme et les questions économiques. Et ce maire, et la question sociale, c'est directement les communes, c'est-à-dire en gros... l'échelle de proximité, même si il y a le risque de clientélisme, malgré tout, c'est la seule échelle identifiable pour un pauvre perdu dans notre pays. La mairie, le maire, le seul personnage populaire de notre pays, encore. Bien, dans la personnelle politique, totalement, faut-il le rappeler, discrédité, si ce n'est pire. Donc, et troisième échelle, les maires,
Après, il y a certainement des histoires consultatives, délibératives, je ne sais pas quoi, mais c'est compliqué et il faut le faire. Tout ça ne peut être décidé qu'au Parlement, sur proposition du président de la République. À l'issue, à mon avis, ça doit être un grand enjeu de l'élection présidentielle. Ça sera le moment de décision de ça. Tout ce qui est en train d'être discuté actuellement au Parlement me fait rigoler, voire même, comme Lévy, me rend triste comme citoyen. Roland. Enfin bon, laissez-les faire. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Soit. On peut vous reconnaître, peut-être que vous découvrez cette suggestion, cette proposition, mais on doit reconnaître quand même à Roland Castro de la constance, parce que ça fait depuis les années 80 que vous militez pour ce qui ne s'appelait pas forcément encore le Grand Paris. Et donc, et en 2006, vous vous présentiez... autant pour moi. Et 2006, vous menaciez de vous présenter au présidentiel pour... Non, je vous taquine. Ce que je propose, c'est, sans perdre de vue nos deux autres intervenants, d'entendre quand même réagir. Patrick Jarry, je suis très surpris de vous voir aussi flegmatique par rapport à... Est-ce que vous y retrouvez? Et ensuite, on entendra Jacques pour qu'il précise un peu les aspects institutionnels qu'il envisage, lui, de son côté. Patrick Jarry, alors. Oui, non. Moi, d'abord, pour que les choses soient claires, moi, je ne défends pas l'État existant. Si je pensais qu'il n'y a rien à changer, je n'aurais pas les engagements politiques qui sont les miens. Donc, je ne défends pas l'État existant. Deuxièmement, je ne conteste pas, et c'est évidemment... la responsabilité que les hommes et les femmes, que les collectivités ont prise en développant des politiques d'un égoïsme et d'exclusion des autres qui est tout à fait affligeante et qui est tout à fait grave, hein, puisque ce n'est pas simplement affligeant, c'est grave ce que c'est en train de produire et donc le phénomène d'aggravation dedans. Là où je ne suis pas d'accord avec vous sur l'approche, c'est que Si ce mouvement d'aggravation des inégalités, il était essentiellement lié à la question institutionnelle, c'est-à-dire à l'organisation des pouvoirs entre finalement donc ce pouvoir central gouvernemental et puis ce pouvoir des collectivités territoriales, donc cette décentralisation des années 80. Ça veut dire que quand on se promène dans le monde nous, avec un certain nombre d'amis, on s'est promené dans le monde. On a créé, de ce point de vue, un forum des autorités locales de périphérie. On s'est donc promené à travers les métropoles du monde en se posant la question, mais les questions auxquelles on est confronté, nous, dans notre petit coin, à Nanterre, à Saint-Denis, etc., comment ils se posent dans le reste du monde? Alors, si ce mouvement d'aggravation des inégalités, il n'était que chez nous, je dirais, OK, on a trouvé la raison, mais... Il est partout. Et donc, vous pouvez regarder dans des endroits où les pouvoirs sont extrêmement centralisés, où il y a peu de responsables, peu de pouvoir pour les communes, comme dans des endroits dedans. Et donc, moi, je ne pense pas. Je pense que cette question-là est à creuser. Je pense qu'elle a quand même à voir avec, d'abord, le type de mouvement de métropolisation qui est en train de se poser et du mouvement de la société dans les dernières décennies. C'est-à-dire qu'on n'est pas, il n'y a pas d'un côté la construction métropolitaine, le mouvement métropolitain, puis d'un autre côté une société qui ferait des tas de choses et tout ça n'aurait rien à voir. Non, on est dans un mouvement de métropolisation qui cousine, qui se conjugue avec ce mouvement, on va dire les choses avec un mot peut-être qui parfois choque, mais le mouvement du capital, de la manière dont il s'organise et dont il se reproduit. Donc, la question, c'est pour ça que il ne faut pas nier ces aspects-là, mais il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'elles n'ont, parce que sans quoi on va faire des erreurs. D'autre part, dans l'histoire de France même, c'est pour ça que je prenais l'exemple de la Défense, dans l'histoire de France, quand les communes, par exemple Passy, Neuilly, Auteuil, ça n'a pas été inventé après la décentralisation de 83, ça a été inventé au moment où l'État avait tous les pouvoirs. Là où je suis pas... Alors, dans ce que dit, comme ça je réagis sur ce que les autres disent, dans ce que dit mon ami Roland, il y a plein de choses que je partage. Et par exemple, cette idée, évidemment,
certain qui est mortifère ou qui risque d'être mortifère, d'avoir été découpé la métropole en disant bah, c'est les 124 communes des trois départements plus Paris, avec le risque évidemment énorme d'instaurer un nouveau périphérique, de le renforcer, enfin, etc., de le déplacer, qui est considérable. Et avec, je partage là cette idée également d'essayer donc de trouver sa construction entre les communes, l'intercommunalité, etc., et puis la métropole. Je que partage, donc je n'hésite pas. Là où je ne suis pas du tout d'accord avec Roland, c'est quand il dit, on va régler le problème, on va élire le mec au suffrage universel, ça va être ça. Je vous rappelle quand même, les uns et les autres, qu'on a beaucoup de gens ont dit ça dans les années 60, élisons le président de la République au suffrage universel, hein, et puis on va régler les problèmes, etc. Il y en a même qui ont fait mieux que ça en 2000. Ils ont dit... Il ne faut plus s'emmerder avec le fait qu'une fois de temps en temps, il y a le président qui est de gauche, puis l'Assemblée est de droite. Patrick Jarry. Il faut régler le problème. Mmh. On va les élire ensemble. Et tout le monde est en train de découvrir que la démocratie française, elle est en danger et que dans des phases, etc., on est avec un gars qui a tous les pouvoirs. Donc, ne refaisons pas ça. Évidemment, pour résoudre la crise, et je termine là-dessus, voilà. pour essayer de résoudre la crise démocratique qu'il y a et avec laquelle je suis totalement d'accord, il y a une crise démocratique. Essayons d'être un peu imaginatifs sur un nouveau type d'institution qui éventuellement conjugue à la fois la représentativité avec le vote, etc., et le participatif qui vient se combiner ensemble. C'est-à-dire, on sent bien que la démocratie... En France, comme dans la plupart des pays européens et du monde, nécessite une invention d'un nouveau mode de régulation de la démocratie. Et donc, ne reposons-en pas ce qu'on a fait dans les essais en 58 avec de Gaulle, et puis qu'aujourd'hui qu'on a bien renforcé avec Jospin en 2000, parce que c'est comme ça qu'on a fait. Et puis après, tout le monde pleure parce que on se dit mais c'est pas possible, ils ont tous les pouvoirs. Je pense que je me permettais de vous presser parce que je vous avais bien résumé les termes du débat auquel nous sommes parvenus. Et on va voir justement comment on peut s'appuyer sur des démarches ascendantes. Mais avant, on va se retourner vers Jacques Lévy pour voir justement comment, pour avoir examiné la métropole du Grand Paris spécifiquement, vous en êtes venu à formuler des propositions concrètes, alors qui ne vont pas forcément jusqu'à l'instauration d'un grand maire, on va dire, mais d'une part d'un système bicaméral, et puis d'un haut conseil des territoires. En quelques mots, quitte à ce qu'on y revienne dans la discussion avec la salle. Voilà. Excusez-moi, enfin, faudrait pas qu'on ait l'impression de rentrer dans une cuisine technique, alors qu'en fait, c'est des grandes questions de philosophie politique. Je suis en gros d'accord avec le diagnostic de Roland Castro, mais par contre, je suis un peu surpris d'une proposition où, en fait, l'exécutif est démocratique, mais le législatif, qu'il n'appelle pas comme ça, parce qu'on est quand même en France et que le fédéralisme est une hydre, donc le législatif, lui, il est au suffrage indirect par les élus du niveau de deux niveaux inférieurs. Donc moi, il me semble que on devrait se mettre d'accord. On va corriger. Lui et moi pour dire qu'il faut aussi le suffrage universel le législatif. Voilà. Et par contre, je suis d'accord avec peu de choses de ce qu'a dit Patrick Jarry sur le constat. En revanche, je suis d'accord avec lui sur le fait que le modèle de la Ve République, c'est un modèle qui a été rejeté par tous les pays européens. Pour de bonnes raisons, et que, en gros, la démocratie, quelles que soient par ailleurs ses variantes, en gros, c'est le pouvoir du législatif sur l'exécutif. Donc, c'est vrai que si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, il y a des systèmes à double élection au niveau local. Hein, c'est-à-dire que même dans les endroits où, au niveau du pouvoir central du gouvernement de l'État, le Premier ministre, le président du Conseil, est issu du Parlement, souvent au niveau local, il y a deux élections. Par exemple, en Allemagne, ça peut exister, en Suisse, ça peut exister, où on élit, donc du coup, avec des cohabitations assez courantes. Hein. C'est assez banal dans les gouvernements urbains, donc on pourrait aussi imaginer ça, mais il me semble que ce qui est quand même important, c'est qu'il y a un pouvoir législatif déterminant. Hein. Moi, mon idée, c'était que...
le Paris Métropole, je trouvais, était une initiative intéressante parce que dans un contexte qui était complètement bloqué par le fait que le président de la République de l'époque prétendait faire un ministère colonial de Paris, hein, donc Paris c'est la France, donc comme l'Algérie c'est la France, ce qui est une grande tradition, hein, Paris a été colonisé par l'État français depuis le début, et ce que cache la métonymie, hein, quand on dit Paris a décidé que, c'est justement pas Paris qui a décidé en général, hein, c'est l'État français qui campe à Paris. Donc l'idée qu'il y ait une initiative de la base, mais je veux dire quand même des élus, hein, avec leurs intérêts propres, mais c'était quand même, je trouvais, une bouffée d'air frais, parce qu'on voyait comment on pouvait construire une entité qui finalement allait ressembler à l'aire urbaine à partir de petites entités. Et donc, moi, à ce moment-là, j'étais déjà partisan du fait que c'était en gros le périmètre de la région qui devait servir de base pour un gouvernement métropolitain, mais on pouvait imaginer une rencontre qui aurait pu avoir lieu. Hein. Malheureusement, je regrette que le gouvernement suivant n'ait pas su organiser ça, parce qu'il y a des rivalités de pouvoir en son sein. Mais on pouvait effectivement, c'est une solution parmi d'autres, imaginer un bicamérisme ou bicaméralisme avec le fait que les identités anciennes, notamment communes, celles des communes, hein, voilà. Je pense que là-dessus, on va être tous d'accord, il me semble, sur le fait qu'il n'y a pas de raison de supprimer les communes. Il n'y a pas de raison de faire des regroupements forcés. Moi, un de mes modèles politiques, en fait, c'est le Portugal, de ce point de vue-là. Ça fait longtemps qu'on a créé des grandes communes qui s'appellent Conselho, mais on a gardé ce qui s'appelle Freguesia, donc des espèces de paroisses, enfin, donc proches de la commune française. Et la Freguesia est une entité qui a une certaine responsabilité de cohésion sociale, de solidarité, mais qui n'a pas de pouvoir urbain. Et donc, moi, je pense que ça peut marcher dans toutes les métropoles, pas seulement en Île-de-France, que les communes restent, puisqu'elles sont porteuses d'une mémoire, et que si, comme un peu les arrondissements parisiens, hein, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez proche, si on donne le même pouvoir aux communes d'Île-de-France qu'aux arrondissements parisiens, et qu'on ait une assemblée législative à l'échelle de la région, à ce moment-là, je trouve qu'on a un cadre qui se tient, et par contre, les échelles intermédiaires, à mon avis, c'est beaucoup plus des échelles de projet, parce qu'on ne va pas installer sur la très longue durée, je ne sais pas, moi, le plateau de Saclay, par exemple, c'est un grand projet, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une entité pour l'éternité qui serait le plateau de Saclay. Donc, à mon avis, le couple commune-région, enfin, disons métropole, suffit à condition qu'on permette à ces identités anciennes, pourquoi pas, si les gens le souhaitent, parce que ça, c'est le grand absent des réformes, c'est qu'on ne consulte pas les habitants. Mais donc, à ce moment-là, on pourrait avoir effectivement un bicamérisme, une espèce de Sénat d'Île-de-France qui représenterait les communes et peut-être, pourquoi pas, les départements, si les gens pensent qu'il y a une identité à conserver. Il me semble que, comme ça, on peut créer un équilibre dynamique. Merci. Il y a d'autres intervenants, c'est juste... On parle bien de... C'est toi qui m'as donné la parole. Oui, je sais bien que je commets toujours l'erreur de le faire. Non. Plus sérieusement, je trouvais intéressant ces propositions et de système bicaméral et puis bicaméraliste et de haut conseil sur lequel vous n'avez pas dit grand-chose, mais on y reviendra. Mais ça illustre le fait que pour vous être penché sur les métropoles du Grand Paris, vous avez éprouvé le besoin d'élaborer des choses spécifiques à cette... Donc, pas question d'aller voir ailleurs, on a besoin de co-construire. On y reviendra. Parce qu'il y a 1288 communes. Voilà, entre autres choses, etc. Tout à fait. C'est ce qu'il disait en préambule. Et un peu plus, vous avez remarqué que dans les zones les plus fragiles de l'Île-de-France, on a créé des régions qui comprennent du périurbain parisien. Oui. C'est-à-dire la région Est, avec Strasbourg pour capitale, comprend du périurbain parisien. Soyez urbain, Jacques Lévy. L'urbanité est une qualité que vous... voilà. Laissez la parole aux autres intervenants. Je renvoie à Réinventer la France, hein, votre ouvrage 2013, où vous exposez ces réflexions-là, sur lesquelles on reviendra. On a beaucoup, et c'est normal, parlé de la machinerie institutionnelle, du caractère un peu formel de la gouvernance. Et on voit que vous dégagez quand même des points de convergence pour enrôler les communes, pas tout à fait les faire disparaître, même si des voix s'élèvent pour les faire disparaître au profit d'arrondissements
qui serait trans Paris intramuros banlieue, on pourra y revenir. Je pense au géographe Chalard qui défend cette idée. Mais laissons-la de côté pour essayer d'aborder la question par l'autre versant. Ce qui peut être fait pour entendre les usagers, les habitants d'un territoire, quant à la manière dont ils envisagent cette métropole. Et on a avec nous deux personnes qui se coltinent avec cet aspect des choses, comment Julien Belair du 6B, on l'écoutera, et puis comment Béatrice Mariol, qui est membre du comité scientifique, du conseil scientifique de l'atelier, et qui avait fait une proposition, et ce que je propose, c'est que vous nous en disiez un peu plus, non pas de TEPOS, ces territoires énergie positive encensés par le gouvernement actuellement, le ministère du Développement durable, mais des territoires à énergie populaire. Alors, Kézako, Béatrice. Alors, effectivement, on connaît le BEPOS, le bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui produit plus qu'il ne consomme. On s'est dit, non, un bâtiment, ça ne suffit pas, donc on va dire un territoire à énergie positive. Ça veut dire que c'est un territoire qui produit plus qu'il ne consomme. Mais en réalité, on oublie quand même une dimension qui est l'énergie populaire. Alors moi, je voudrais revenir sur plusieurs termes qui ont été évoqués par ces trois premiers intervenants, qui est la question de l'urbanité, la question de la citoyenneté, la question de la civilité, la question de la démocratie en danger. On pourrait dire qu'il y a une crise démocratique très forte, en plus d'une crise économique et d'une crise environnementale. Et moi, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui nous intéresse, nous, l'équipe Bresse-Mariol et chercheurs associés, c'est de poser la question d'un autre regard sur le Grand Paris. Et on a commencé, je dirais, par un double regard extérieur, qui est d'abord regarder la métropole à partir de ses territoires les plus ruraux, les plus dispersés, les moins denses, et poser la question de la manière dont les citoyens vivent la métropole. Parce que moi, je pense que ces débats sont un peu technocratiques, parce que finalement, les citoyens, ils vivent la métropole. Ils vivent la métropole depuis très longtemps. Ils sont très en avance sur les politiques. Ils la vivent à partir de leur quartier. Ils la vivent depuis leur territoire de proximité, par contrainte, la plupart du temps, et pour contourner ces contraintes, que ce soit des contraintes de mobilité, des contraintes d'emploi, des contraintes de modification de leur situation privée, économique, etc., eh bien, ils inventent tout un certain nombre de choses. Ils contournent le système et ils inventent. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement d'écouter les gens, c'est de voir, de constater à quel point ils inventent des choses. Alors comment vous faites? Vous avez, donc, je rappelle, voilà, des diapositives donc, peut-être alors, qui peuvent donner à voir concrètement le sens de votre démarche. Voilà, parce que moi je dirais effectivement, la manière dont on s'y prend, c'est qu'on repère des initiatives locales qui sont déjà du collectif. Donc c'est essentiellement des associations, mais ça peut être, là par exemple, les images que vous voyez, c'était à Nangy et à Étampes, où on a réuni des chefs d'entreprise, des maires de petites communes, mais également la mission locale Sud-Essonne, qui ensemble, alors ou ensemble ou non, mais en tout cas sont des gens qui s'étaient fortement investis sur l'organisation des mobilités alternatives au tout automobile. Ce chef d'entreprise qui disait finalement, moi ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui un smicard n'a pas les moyens d'utiliser sa voiture tous les jours. Moi ça m'intéresse parce que il faut absolument arriver à organiser, et on sent bien que c'est pas juste le chef d'entreprise qui peut l'organiser. Donc c'était toute une forme locale, collective, en commun, on pourrait dire, qui s'organise, et à partir de laquelle nous, on peut faire du projet. Parce que moi, je suis architecte, nous, on est architecte, et ce qui nous intéresse, c'est de faire du projet. Et je trouve qu'aujourd'hui, la demande locale est bien plus porteuse d'innovation que la commande institutionnelle. Et le plus grand regret que j'ai, c'est que les concepteurs sont coupés de cette matière première qui est en fait la matière première de leur travail. D'abord parce qu'il y a une dissociation entre le programme et le projet. Ensuite, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on
on fait de la concertation de plus en plus, c'est très à la mode, et on sent bien que la France est très en retard sur ces sujets-là, donc il y a une espèce d'engouement. Donc on concerte énormément, mais on concerte de manière dissociée de la fabrication du projet. C'est-à-dire qu'on va dissocier d'un côté, après toute cette matière va être digérée, va être donnée à des concepteurs sous forme d'une commande, et puis il va en rester quoi ? Pas grand-chose. On va dire non, il faut faire ça parce que sont les gens qui nous ont dit qu'ils voulaient ça, donc il ne faut surtout pas faire ça. Et finalement, c'est ce dialogue qui est complètement effacé qui fait qu'on manque totalement d'innovation. Et nous, ce qu'on trouve sur le terrain, c'est ça, ce sont des gens qui explorent. C'est le centre social de Nangy, par exemple, qui aujourd'hui met en place du service à la demande pour desservir les territoires autour. Et quand on leur dit ça marche, ils disent on ne sait pas très bien, alors en fait il faut qu'on voit, on évalue et après on transforme, on réadapte. Et après, alors évidemment, et sur quoi ils sont totalement bloqués, c'est sur la gouvernance métropolitaine, voilà. Le STIF, par exemple, hein, autour des questions de mobilité. Donc moi, je dirais qui décide, mais qui se trompe également. Hein. Donc ça me paraît important de justement réussir à... Alors, sur le choix l'échelle métropolitaine, moi, je suis assez... On a eu beaucoup de débats à l'atelier du Grand Paris là-dessus. Hein. Et nous, on a été très tôt partisans d'une métropole plutôt resserrée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un périmètre plutôt resserré impose de penser la métropole en système et non plus de manière continue, avec Roissy, par exemple, avec Saclay, qui est maintenant en dehors de la métropole, mais également avec les villes nouvelles, également avec les territoires dispersés, le bassin parisien, le reste de la France, l'Europe du Nord, etc. Donc finalement, resserrer la métropole autour de sa partie, par exemple, quand on a fait cette carte, on a fait cette carte à partir de ce qu'on a appelé des grappes de proximité. C'est des relations entre là où habitent les gens et les commerces, tous les services, mais les services de proximité qui vont également les équipements, l'équipement public, l'équipement scolaire, etc. Et donc on voit une petite grappe là en bas à droite. Et à partir de cette manière de calculer la proximité, eh bien, on a remonté vers Paris. Voyez, et on sent bien qu'au centre, ça devient très compliqué parce qu'il y a tellement de proximité que finalement, le système ne marche pas. Donc, on a une espèce de noyau comme ça qui est finalement assez dense et autour, ça fonctionne autrement. Alors aujourd'hui, on a 6 millions d'habitants dans la métropole, 6 millions à l'extérieur. Moi, je trouve que ce n'est pas si mal que ça. Alors, on pourra peut-être revenir sur cette idée de métropole resserrée. Ce sur quoi j'aimerais revenir, alors, au passage, on note que c'est une réflexion qui a été engagée dans le cadre de l'atelier international du Grand Paris. Hein. Voilà un bel exemple, tout comme d'ailleurs la réflexion que vous engagez de ce qui se fabrique au sein de cet atelier. Donc Mireille, Pierre, bravo. Au point d'ailleurs que vous avez déposé la marque T-Pop, hein, donc ça produit des choses. Mais vous m'avez fait un peu peur. On vient de créer une association, d'ailleurs, vous pouvez tous adhérer si vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais on a compris qu'il faut y être. J'ai des bulletins d'association. Ah, très bien, parfait. Oui, oui. Et on a compris qu'il faut y être très actif. Hein. Il ne faut pas Il faut être actif. Hein, voilà. Tout à fait, on a besoin de monde, parce que vous comprenez, maintenant, nous on va repérer des petites initiatives locales, comme ça, Julien va continuer là-dessus. Oui. Mais après, en fait, il faut mettre toutes ces initiatives en réseau. Alors, et puis, il faut fabriquer du projet. Parce que le problème dans ces territoires-là, c'est qu'il n'y a pas non plus beaucoup de matière grise pour fabriquer du projet. Et puis, si on veut fabriquer du projet vraiment innovant, eh bien, il faut y aller, il faut aller sur le terrain. On va y aller voir ce qu'a fait Julien, mais auparavant, quand même, une question dissipée à malentendu. Parce que là, vous m'avez fait peur lorsque vous avez parlé, lâché le mot de technocratique. Je me suis dit, oh là, il y a un côté un peu démagogue, on fait les choses bien à l'échelle locale, et là-bas, en haut, les instances ne comprennent pas, ne savent pas commander que ça. En fait, ce n'est pas si simple, et vous vous employez à essayer d'articuler ce qui se fabrique à l'échelle de ces territoires, et de le traduire en un processus législatif, en tout cas de convaincre les élus. Hein. Donc vous êtes dans un continuum, pas dans l'opposition top-down, bottom-up. Hein. Vous dissipez. Non, absolument. Non, mais tout à fait. Moi, d'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est de réunir des élus. Voilà. Et ce qui m'intéresse derrière ça, c'est même plus
même plus que ça, c'est de vraiment poser la question de la manière dont on dessine un projet, de la manière dont on le décide et le dessine, hein, et donc et les outils pour le faire, qui doivent absolument évoluer. On ne pourra pas innover si les outils de fabrication du projet n'évoluent pas. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse derrière ça. Avant d'entendre Roland Castro nous dire si vous feriez une bonne mairesse du Paris, Grand Paris resserré, on poursuit avec Julien Belair. Oh, on connaît tous le 6B. On connaît tous le 6B. Tout le monde connaît le 6B. Voilà. Est-ce que tout le monde y est allé au 6B? Ah oui, bravo. Je vois qu'il y a... Bon, c'est pas si sûr que ça. Donc, Julien, on va architecte, hein, membre du collectif Existe et qui avait, il y a de ça quelques années, je ne sais plus exactement, vous le rappellerez, lancé cette aventure consistant à reconvertir un site, une friche, qui était la propriété d'un promoteur. Et vous avez su en faire un lieu dont vous allez nous décrire la finalité, le contenu. Et on verra, pour prolonger la réflexion de Béatrice, voir comment on peut justement mettre en réseau ce type d'initiative pour faire un effet métropolitain. Auparavant, est-ce qu'on peut pénétrer dans le 6B avec quelques images avec lesquelles vous êtes venu et vous les commenter éventuellement à votre guise? Voilà. Alors. Allez-y, bien sûr. Bonsoir. Alors voilà le 6B. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que je me sens un peu petit par rapport à tous ces grands. Mais en plus, je suis au milieu, donc c'est un honneur. Alors, je vais essayer d'illustrer cette métropole qui existe, parce qu'il ne s'agit pas de l'inventer, il s'agit de la révéler. Voilà, et je pense que ça a quand même été des choses qui ont été dites à droite, gauche. Donc, la métropole existe, on a besoin, donc je suis avant tout habitant, je pense qu'on est tous habitants de cette métropole, on est tous ayant envie, on est citoyen, on est expert aussi, mais on est habitant et on vit cette métropole, on y travaille. Habitant, dans quel sens l'entendez-vous? On y vit, on y travaille, on voilà. S'y rencontre dans des espaces privés, dans des espaces publics. Je pense qu'il y a aussi, bien sûr, toute la question entre qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public aussi aujourd'hui, hein, qui, dans ces grands bouleversements de société qu'on est en train de vivre, on ne sait plus où on se rassemble, on ne sait plus où on rencontre l'autre, on ne sait plus où on discute. C'est peut-être dans des espaces privés que sont les centres commerciaux, malheureusement. On essaie de le réinventer. Et donc le 6B, pour revenir à ça, et ensuite je m'amuserai à m'évader aussi, mais on est un projet qui est aujourd'hui à Saint-Denis, dans le quartier Gare, qui était il y a 5 ans dans une friche industrielle qui appartenait à Alstom. J'ai donc négocié avec le propriétaire qui était Alstom la possibilité d'accéder à ce bâtiment qui était vide, les vides dans nos villes qui peuvent être investis par de la vie. Donc l'idée, ça a été de l'investir par des besoins que je ne connaissais pas. Donc il s'agissait de mettre en place un modèle qui a permis aux gens autour d'y venir pour y travailler ou faire d'autres choses, mais essentiellement y travailler. On est aujourd'hui donc occupant de ce bâtiment qui fait 7000 m². Il y a 170 structures qui y sont résidentes. En gros, ça fait 300-400 personnes sur site qui y travaillent. On est un immeuble de bureaux, mais on accueille beaucoup de public. On fait des événements, et notamment un qui s'appelle la Fabrique à rêves, qui peut attirer jusqu'à 50 000 personnes, mais en tout cas jusqu'à 3, 4, 5 000 personnes sur un temps T. On est devenu un lieu de fête, alors qu'on est au départ un lieu de travail. On est un lieu d'art contemporain, parce que la majorité des résidents qui sont chez nous sont des créateurs, notamment des plasticiens. Ça n'a pas été décidé. Ça s'est révélé, c'est peut-être parce que dans ce Grand Paris qui se fabrique, on serait le territoire de culture, de création, et ce ne serait pas une décision d'en haut aussi idiote que ça, parce qu'en bas, il s'avère qu'il y a ces besoins. Donc, de temps en temps, ça se rejoint. Et donc, on est aujourd'hui en train d'essayer de survivre dans cette métropole. On est sur un territoire réactif, un petit peu comme ici, monsieur le maire l'expliquait, où on ne se laisse pas faire, on est bien souvent précaire, on est bien souvent sans papier ou sans logement. Et ben on se met un toit sur la tête pour abriter nos enfants. On se réunit à beaucoup pour inventer des modèles et pouvoir payer la facture d'électricité, le loyer, c'est le cas du 6B. Aujourd'hui, donc ça pourrait être un lieu d'économie sociale et solidaire, ça pourrait être du développement durable, ça pourrait être... Enfin,
tous les termes qu'on aime bien utiliser, qui nous vont bien. On veut bien ces étiquettes, nous, ça ne nous pose pas de problème. Un des problèmes, c'est qu'on en a trop, des étiquettes, et donc on ne sait pas dans laquelle nous mettre. Voilà. On nous met plutôt dans l'étiquette culture, c'est bien pratique, il n'y a pas beaucoup de moyens. On est quand même beaucoup dans le développement économique. On est dans le travail, et on est dans l'habiter, et on est dans le vivre ensemble. À savoir qu'on a décidé, avec tous ces résidents, je reviendrai à la gouvernance, d'avoir 2000 mètres carrés d'espace commun. D'espace commun, mais pas que à nous, résidents, pour avoir notre salle de muscu, être en forme, mais d'espace commun pour vivre avec les autres, pour vivre avec nos voisins qu'on aime à rencontrer et avec qui on aime construire la cité qui se transforme. À savoir qu'aujourd'hui, on est dans un quartier qui est en chantier. Il y a déjà 30 000 mètres carrés de bureaux et de essentiellement logements. C'est plus facile en ce moment qui se sont construits. Il va y en avoir 70 000. Le groupe Brémond qui vient de Nantes, et c'est pas pour rien qu'il faut citer, qui avait une expérience sur l'île de Nantes d'accompagnement culturel, de laisser des interstices, ses marges. Donc Patrick Jarry, pardon, expliquait la vitalité, l'innovation qu'elle porte. Et ben à l'île de Nantes, il y a des gens qui vont faire du tourisme aujourd'hui pour voir ce qui a été misé à l'époque. Donc ce promoteur qui arrive, qui rachète tout le site, qui construit, ben il ne nous voit pas d'un mauvais œil. Et nous, on ne le voit pas d'un mauvais œil non plus. On se dit qu'on peut orchestrer tout ça ensemble. Et donc on travaille avec l'agence Nicolas Michelin et associé qui est l'urbaniste. On reconfigure le plan urbain. On fait de l'espace public autour de ce nouvel équipement qui a émergé. La question de l'équipement se pose encore aujourd'hui. Parce que je disais, c'est nos espaces communs. Sauf que c'est donc 170 structures qui se cotisent pour que l'association de quartier ait une salle où se réunir ou pour qu'on ait un événement culturel, si possible, un petit peu prospectif et alternatif. Parce qu'on est aussi reconnu, entre guillemets, comme une scène où c'est possible. Donc il y a des choses de l'intérieur de Paris qui viennent en dehors parce qu'elles ne savent plus le faire dans Paris. Et notamment le plaisir, la fête, la rencontre qui réunit chez nous énormément de monde. Alors, on peut rappeler donc 5 ans d'existence. 5 ans, c'est pas rien. C'est une année, une durée fatidique, hein, en tout cas pour les entreprises, ou bien elles survivent plus durablement. Mais on a bien compris que la question se pose. Hein, c'est quelque chose qui a acquis une notoriété, mais qui est fragile. Ça serait intéressant de voir comment les élus de Saint-Denis, mais aussi de pleine commune, ont soutenu et rendu possible, tout en ne répondant pas forcément à toutes vos attentes. Ce sur quoi je voulais vous faire préciser les choses, c'est sur le côté métropolitain du 6B, au sens où il est fréquenté par des locaux, des autochtones, mais également des personnes qui viennent des quatre coins de la métropole, qu'elles soient resserrées ou au sens où on l'entend ordinairement. Quelques mots à ce sujet, pour mieux ensuite voir comment on peut le mettre en réseau avec d'autres lieux semblables. Oui, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on attire des gens de partout. Voilà. Donc, quand on organise un événement, on a 3000 personnes qui veulent venir parce qu'il y a une identité qui s'est créée à cet endroit-là, comme elle peut se créer partout, et elle va être pôle d'attraction. Est-ce que c'est l'innovation? Est-ce que c'est la fête? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que, voilà, on les connaît, hein, c'est sur les cartes et c'est très bien expliqué. Donc, il y a ces énergies qui existent sur le territoire. Il faut les rendre possibles. Comment les rendre possibles? Il faut prendre ses responsabilités parce que la difficulté, c'est d'être responsable. Je m'explique. Notre bâtiment, il n'est pas aux normes pour recevoir du public. On pourrait nous fermer. Non, mais on le sait tous et on l'a toujours partagé. C'est important. Il faut qu'on arrive à transgresser. On a besoin de législateurs élus et qui nous font des belles lois. Mais on a aussi besoin d'être à côté de la loi ou dans la marge pour pouvoir inventer, innover, chercher, expérimenter et après se mettre bien dans le droit chemin. Parce que sinon, ça coûte trop cher au début de tout inventer et de le rendre possible. Il faut être à côté, essayer, se permettre. Et c'est surtout ça, là-dessus que je tire mon chapeau à nos élus. C'est qu'ils nous ont laissé faire. On est sur un territoire où les choses sont possibles. On peut vendre du maïs, on peut ouvrir un lieu, on peut se réunir, on peut inventer quelque chose. Je dis ça parce que par vie de la gare, il y a des vendeurs de maïs chaud et les associations de citoyens ne sont pas contents. Je trouve que ce que vous dites là est le point de jonction sur lequel vous pourriez tous vous retrouver et nous nous en tiendrons là pour prendre les questions de la salle. J'imagine que ça appelle des réactions, mais vous pourrez réagir en prenant au vol des questions. Des points de jonction, puisque vous n'opposez pas
comme on le fait classiquement, ces démarches bottom-up et top-down. Vous avez essayé de comprendre comment, dans le cadre métropolitain, on peut assurer une sorte de continuum, faire en sorte que les élus, à un certain moment, prennent le relais ou sécurisent, normalisent, dans le bon sens du terme, des initiatives qui émergent et qui sont à la marge, donc à côté des normes. Je vous propose, mais je vois que Béatrice... Je vais juste rajouter une petite chose, c'était qui réussit à créer l'intérêt métropolitain ? Voilà, et là, on voit bien qu'on a une réussite qui n'a pas été décidée, programmée, et qui a bien réussi, alors qu'on pourrait en citer beaucoup qui ont échoué et qui ont été pourtant très fortement programmés par des gens très connus et très sensés. Ce que vous dites, Béatrice, c'est en plus, bon, ça émerge, et il faut essayer de les mettre en réseau pour avoir encore une fois un effet plus métropolitain et les faire en sorte qu'ils s'entraident, etc. Et qu'ils surmontent cette fragilité. Oui, moi, sur la question qui nous est posée, je poserais plutôt la question qui orchestre plutôt que qui décide. Ouais, il s'agit aujourd'hui non pas de décider pour les autres, il s'agit d'arriver à accompagner toutes ces énergies et mettre en lien toutes ces compétences. Mmh. Mmh. Juste, je peux rajouter encore une chose ? Mmh. Ouais. C'est que... Ce qu'a dit Julien est très important, c'est que les territoires, ils existent, ils sont là, ils sont construits. On n'en est plus à planifier l'après-guerre. Et donc, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'il y a déjà beaucoup d'intérêts qui sont décidés. Et moi, je pense que le plus gros problème de la loi actuelle, ce n'est pas tant le périmètre que la manière d'organiser les territoires à partir de chiffres, d'intercommunalités qui doivent faire tant, ou je ne sais pas quoi. Je pense que ça aurait été bien plus pertinent de se baser, par exemple, sur Paris Métropole, que Pierre Mansa connaît très bien et qui a été créé par plutôt une cooptation d'élus qui avaient envie de travailler ensemble. Donc aujourd'hui, il y a des intercos qui ont des projets, il y a des communes qui ont des projets, et puis il y a des associations qui ont des projets intéressants. Donc il y a du commun qui est créé dans plein d'endroits, et ça, c'est un gros travail qui est déjà fait et qu'il faut lire et qu'il faut reconnaître. Et il y a une jeunesse à laquelle vous êtes particulièrement attaché et qui s'exprime, bon, sauf qu'on n'a pas le temps pour le moment. Vous rebondirez sur cette évocation, mais plus à travers en répondant à d'éventuelles questions de la salle. N'hésitez pas à vous présenter, voilà, au fond, et à patienter. Voilà, un micro est mis à votre disposition. Bonjour, je me présente, je m'appelle Paul-Étienne Keller, je suis le président fondateur d'une association que j'ai créée il y a bientôt 25 ans, qui s'appelle Urbatopia, la ville est une scène, et qui est née avec l'idée de développer ce que j'appelle l'événementiel musical urbain, donc en fait la présence de la musique vivante dans la ville, dans l'espace public. Et pour ce faire, en fait, j'ai développé plusieurs choses. En fait, le projet est né à partir d'une grande place parisienne sur laquelle j'ai rêvé très vite, qui était en reconstruction à l'époque, sur laquelle j'ai rêvé très rapidement... la possibilité d'en faire une scène multiscène, c'est-à-dire une scène ronde sur laquelle, autour de laquelle il pouvait y avoir des musiciens qui venaient s'installer sur les différentes architectures qui composaient cette place. Et voilà. J'ai par ailleurs créé un concept d'événement musical qui s'appelle l'archiconcert. Il s'agit de nacelles et de plateformes élévatrices à bord desquelles les musiciens sont installés en micro HF. Donc ils sont dans une totale possibilité de mouvement. Il y a moyen de faire coller le mouvement de la musique elle-même au mouvement des musiciens physiques dans l'espace public. Voilà. Donc la question, j'aurais beaucoup de choses à dire encore, mais je voudrais poser la question. N'hésitez pas à réintervenir. Ouais, d'accord. Oui, c'était une belle illustration de ce que disait Béatrice. Voilà, je suis très en phase avec ce que vient de dire la femme qui vient d'intervenir. Là, je ne connais pas votre nom. Béatrice. Je trouve que c'est fantastique, effectivement, de parler d'orchestration des choses. Ah. Et c'est la question que j'ai envie de poser. J'ai l'impression que... Ce qui me vient, c'est qu'en Île-de-France, plus particulièrement en Île-de-France, il y a tellement de mouvements artistiques, d'intelligence en mouvement dans tous les sens, et au niveau musical, que je me demande s'il n'y aurait pas moyen de parler de peuple musicien et de la façon dont on pourrait donner la parole et dont, démocratiquement, on pourrait organiser la prise de parole des gens pour organiser des événements musicaux dans l'espace public, en rapport avec les associations, le système associatif et les musiciens qui composent l'Île-de-France. Moi qui ne joue d'aucun instrument, je suis un peu inquiet sur ma possibilité de vivre la démocratie dans cette perspective. Mais cela dit, non, plus sérieusement, c'est une illustration de cette inventivité. Monsieur, micro.
vous poursuivrez tout à l'heure. Hein. On a un pot de l'amitié. Et je pense qu'il y aura des choses à faire avec le 6B. N'est-ce pas, Julien ? Bonsoir, Philippe Thievenaz. Bonsoir. Je voulais juste dire que par rapport à tout ce que vous avez dit, je trouve qu'il y a un lieu qui illustre assez bien tous ces sujets. C'est les docks de Saint-Ouen, qui est un écoquartier qui va permettre à Saint-Ouen, donc 93, d'augmenter de 20% sa population. Et les gens s'y installent dans 3 mois à peu près. Et c'est à côté du 6B. Et il y a beaucoup d'énergie populaire, notamment, il y a un phénomène qui se passe, c'est... Il y a un blog qui a été créé il y a 1 an et demi par plusieurs centaines de futurs habitants qui s'appelle Mon voisin des docks. Et ces 200 personnes à peu près ont commencé à tisser des relations de village, d'échanges. Il y a eu une vingtaine de pique-niques qui ont été organisés, il y a des fêtes, on a privatisé un restaurant une fois. Et les gens sont vraiment en train de tisser une énergie populaire avec des initiatives qui nous a permis, au sein de mon voisin des docks, d'être considéré comme un interlocuteur valable par la mairie, qui a énormément de sujets de réflexion, la ligne 14, le RERC, enfin, tous les sujets que vous connaissez. Pardon ? Le Red Star, le futur hôpital, enfin bref. Et donc ça a permis d'être un interlocuteur valable pour cette petite association afin de donner des idées pour rebaptiser le nouveau gymnase, les écoles, etc. Vous le vendez très très bien. On ira à Saint-Ouen, qui est une ville remarquable. Non, mais ça illustre. Je pense que c'est assez transversal comme exemple. J'ai une question pour vous. Sauf s'il y en a de la tribune, c'est comment vous pensez cet écoquartier ou cette ville dans la perspective de la métropole ? Dans quelle mesure ça fait sens de l'insérer dans cette dynamique métropolitaine ? Parce que là, vous nous ramenez... Ça fait sens parce que tous les sujets de transport, de mixité sociale, de nouveaux sièges sociaux, d'entreprises, de jeunes familles qui arrivent parce qu'ils ne peuvent pas se payer les 9 000 euros ou 8 000 euros de Paris, Paris est à 500 mètres. Et là, le prix a été bloqué par l'ancienne maire, et donc le prix est de 4 000 euros. Donc c'est une aubaine. Donc on traverse, et en plus on est proche du 6B ou d'autres lieux comme ça. Donc il y a une certaine unité de lieu qui met par exemple Saint-Lazare à 8 minutes lorsque quelqu'un mettra un ticket dans la ligne 14. Ce que j'entends, c'est que la métropole peut être valorisée à travers justement ces différents lieux mis en réseau, en interaction. Ça rejoint ce que vous disiez. Ce que j'entends surtout, c'est que proche du 6B, ça devient un argument de vente pour une opération immobilière. C'est génial. Ou l'île Saint-Denis avec l'île au printemps dont vous parliez tout à l'heure, enfin le nouvel écoquartier fluvial qui va être aussi un phénomène. Ce que je veux dire, c'est que en juillet prochain, je pense que Saint-Ouen, et surtout quand il y aura la ligne 14, Saint-Ouen va être, entre guillemets, digéré, ou plutôt transcendé par la proximité de Paris et par le Grand Paris. Je pensais que Patrick Jarry voulait intervenir pour dire que Nanterre reste quand même la référence, mais bon, ce n'est pas le cas. Oui, évidemment. Question de la salle. Vous êtes grand seigneur. Pas de questions. Oui, ici, monsieur. Il y avait deux questions quand même. Faut-il un maire pour le Grand Paris ? Bon, on a parlé de ça, mais enfin, je veux dire, personne n'a vraiment parlé de qui décide de l'intérêt métropolitain. Alors moi, si vous voulez, je ne veux pas entrer dans la démagogie de la participation, que tous les gens vont dire tout ce qu'il faut faire. Il y a des choses qui se décident à très grande échelle. Comment on fait ? Cette très grande échelle, il faut arriver à la construire, à l'articuler, à l'intégrer dans un récit qui soit partagé. Par exemple, aujourd'hui, on est réfléchi sur ces grands schémas d'intérêt métropolitain. Il y a des choses qui circulent, les grands boulevards métropolitains. C'est-à-dire comment faire que, aujourd'hui, toutes les routes départementales et toutes les nationales commencent à être gérées par la métropole et qu'elle en fasse des boulevards métropolitains, des lieux, toutes les communes, ils sont traversés et tout. Il y a la question de l'eau et des fleuves et des cadeaux. Il y a la question des grands parcs, créer un grand parc comme le projet de Roland. Mais il y a des choses qu'il faut reprendre, des choses qui existent et qu'il faut valoriser, mettre en valeur, articuler. Donc voilà, qui décide de l'intérêt métropolitain ? Et moi, je revendique fortement, en tant que professionnel,
d'avoir mon mot à dire là-dessus. Je suis là pour essayer de construire des systèmes de représentation à l'échelle de la métropole et les discuter. Je ne suis pas du tout dans un... Mais je crois qu'il faut quand même... Je n'enlève aucune autorité aux politiques, mais je pense quand même que les intellectuels, et pour moi les architectes, sont des intellectuels, et s'ils ne sont pas des intellectuels, il faut qu'ils fassent autre chose. C'est-à-dire que dans une... Ou disons les gens qui travaillent sur les formes urbaines, ou les urbanistes que nous sommes, et tout. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il y a un grand mépris de ce travail. Il y a un grand mépris. Il ne faut quand même pas déconner. Ça fait depuis que Sarkozy a décidé, on n'a pas eu le moyen d'avoir des équipes permanentes pour travailler à cette échelle. Jamais l'atelier du Grand Paris fait des efforts, et Mireille Ferry et Mansa le font, pour qu'il y ait un peu de sous pour pouvoir travailler, pour réfléchir, pour pouvoir avoir des équipes permanentes, pour pouvoir créer un institut de recherche et de formation ouvert à toutes les grandes métropoles du monde. Ce que disait le maire de Nanterre, c'est vraiment passionnant. C'est-à-dire, je ne savais pas qu'il y avait une association des maires des communes de banlieue. C'est vraiment... Banlieue. Voilà, là, il faut que ça remonte, que l'on travaille. Je trouve qu'il y a un mépris de ça. Vous êtes très clair, donc... L'intervention a le mérite de la clarté. Autorisez-moi juste à rendre justice à la réflexion des uns et des autres qui ont justement balancé entre cette question de qui décide à l'échelle métropolitaine et puis ceux qui s'emploient à faire entendre ce qui émerge sur les territoires. Mais on prend la question, je laisse réagir chacun, y compris Jacques, il me semble que c'est l'occasion de dire un mot sur ce Haut Conseil des territoires qui élargit le cercle au-delà des architectes, justement. Au-delà et avec les professionnels, parce que il me semble que ce qu'a montré le débat, c'était pas vraiment un débat, mais la succession des interventions, c'était qu'il y a clairement une échelle métropolitaine, et là-dessus peut-être qu'on va débattre, mais après je sais pas si on a le temps, mais je comprends pas la thèse des 6 dedans, 6 dehors, parce que si vous dites ça veut dire que vous admettez qu'il y en a 12. Donc pourquoi, alors qu'il y a une unité du marché de l'emploi, un système de mobilité commun, un système universitaire, donc plein de solidarité objective qu'il faut bien gérer à cette échelle-là, pourquoi il n'y aurait pas un gouvernement pour gérer ça? Donc il me semble que ça devient un peu une espèce d'esthétique de dire « Oh, bah tiens, une métropole resserrée. » Mais parce que... Non, elle ne parle pas comme ça. Je ne vois pas la raison. Prenez au sérieux son argument. Si ce n'est pas esthétique, je n'ai pas compris l'argument, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas se permettre... On ne peut pas se permettre de garder une définition morphologique, notamment. Hein. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il y a un débat entre architectes et non-architectes dans l'urbanisme, mais aujourd'hui, c'est quand même dans toutes les grandes villes du monde, on sait qu'il y a une dimension non-morphologique, c'est-à-dire fonctionnelle. Et non, c'est pour ça qu'on a créé les aires urbaines, parce qu'en fait, il y a au moins 2 millions de franciliens, enfin, de gens qui sont dans la métropole, qui ne sont pas agglomérés. Et c'est des gens qui sont fragiles en plus. Hein, donc c'est extrêmement important de les garder dans l'ensemble. Hein, donc qu'il y ait ce niveau-là, c'est important. Et en même temps, ce que vous avez montré, donc vous aussi, et ça c'est très important, c'est qu'il y a une multitude d'initiatives, qu'en fait la métropole, c'est les franciliens qui la font tous les jours. Pas seulement les initiatives très belles dont vous parlez, mais aussi dans leur vie quotidienne. C'est aussi l'Île-de-France, c'est 50% en gros des professions créatives de la France. Hein. C'est quand même énorme. C'est une concentration qui n'existe pas dans beaucoup de villes. Donc, et ça, là-dedans, c'est pas les élus. Hein. C'est là qu'il y a une petite ambiguïté qui me semble important de lever. Les élus, ils sont des politiques, mais en même temps, qui ont été produits, les élus locaux, les maires, par exemple, ont été produits dans un système qu'on pourrait appeler du corporatisme, qui est un élément du corporatisme d'État qui caractérise la France, qui est un corporatisme spatial. C'est-à-dire, en fait, l'État central se garde la grande politique et il donne du champ à des élus pour défendre des intérêts qui sont en fait pas des intérêts publics, puisque justement, ils ont contribué à fragmenter la société. Donc, il me semble que si on veut construire cette gouvernance métropolitaine,
il faut pas demander aux élus, il faut être sympa avec eux, il faut pas leur demander de se suicider. Donc il faut pas leur demander de faire comme si ils ne défendaient pas des intérêts correspondant à l'ancien système. Jacques, c'est pas la même chose. Donc ce que je veux dire, c'est que les élus, c'est pas la même chose que les habitants. Mmh. Hein, et donc quand on dit il faut deux niveaux, c'est pas un élu, un niveau qui serait le niveau de la métropole et un autre qui mêlerait celui des élus qui ont des intérêts très particuliers à défendre et celui des habitants qui sont les créateurs de la métropole. Jacques, hein, donc il faut trouver un système qui permette de faire les deux. La, et donc la je Suisse réponds, ne vous a rien appris quant au question, sens. Non, je réponds à ta question sur l'existence d'un haut conseil. Tant pis, on la laisse en suspens. Non, qui comprendrait, qui ne comprendrait pas d'élus. Voilà. Donc, qui constaterait dans l'ensemble des grandes villes l'existence. Je ne vote pas pour lui comme maire du Grand Paris, hein, parce que je n'aurais pas le droit de l'exprimer. Non, parce que ça appelle des réactions, bien évidemment, et nous sommes contraints par le temps. Voilà, bien sûr. Alors, monsieur non, mais moi, Patrick, j'ai juste quelques réflexions. Je pense. On est à un moment tout à fait particulier. C'est-à-dire que, pour l'essentiel, l'organisation institutionnelle, elle est décidée. Sans doute pour un temps, mais en tout cas, elle est décidée. C'est-à-dire que des débats qui vont continuer d'avoir lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat, il ne va pas sortir de modifications importantes par rapport à ce qui est la loi. Et donc... moi, je pense qu'il faut qu'on... Enfin, tous ceux qui sont dans l'idée de comment faire, finalement, pour que cette métropole du Grand Paris, pas celle qui a été... ça, mais cet espace métropolitain du Grand Paris devienne un espace, je mets des guillemets, mais je résume, plus démocratique, plus solidaire, plus productif à partir de ce qui se passe en bas. Il y a un problème de danger. Soit on continue de mener des débats théoriques entre nous sur qu'est-ce qu'il faudrait, quelle serait l'organisation magique qui aurait permis, etc., etc. Voire, on envoie des provocations sur faut-il élire le maire au suffrage universel, avec le fait que tout le monde va débattre de ça pendant des semaines et des mois, etc., etc. Ou alors, et c'est moi qui dis ça, c'est... la situation au 1er janvier 2016, elle est très sérieuse. C'est-à-dire, le 1er janvier 2016, il y a une métropole du Grand Paris qui se met en place. Et alors, que ce soit pour les acteurs de terrain, ceux qui sont dedans, que ce soit pour les professionnels, les intellectuels ou ceux qui sont dedans, que ce soit pour les élus, ils se posent des questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Et moi, j'ai dans cette affaire-là, plusieurs préoccupations. D'abord, il y a celle dont tout à l'heure Pierre parlait, il y a la question du projet. Ça fait, on va dire les choses, on s'est un peu fait avoir. Pendant 2 ans, depuis 2 ans, on parle de est-ce que le pouvoir, les machins, combien on va être autour de l'Assemblée, qui va y être, etc., etc. Sauf que depuis 2 ans, on a... Non, mais je dis les choses comme bien. On a déserté la question du débat de contenu, c'est-à-dire il y a peut-être 345 ou peut-être un peu moins personnes qui sont autour de la table le 1er janvier. La loi leur donne un certain nombre de responsabilités. Ils font quoi? Et si on laisse les choses se faire comme elles sont, compte tenu Daniel Guiraud est là, compte tenu de ce que je sens, de ce que sont les hommes politiques actuellement dominants dans l'espace Île-de-France et qui, visiblement, vont se renforcer si on en croit les tendances, il n'y a pas de problème. Ils vont proposer un certain nombre de politiques dedans. Ils vont les mettre en œuvre. Et donc, la question... Voilà. Non, mais je termine, voilà. Parce que c'est oui, très terminé. Important, y compris pour répondre à celle-là. Voilà. La question, elle est comment on fait dans ce moment-là... Non, mais comment on fait dans ce moment-là pour que ce débat sur le projet... à partir dans toutes les formes, ceux qui veulent s'en emparer, qui ne sont pas prévus de s'en emparer, mais qui s'en emparent, ils s'emparent de cette question-là, des politiques qui veulent. Donc ça, première chose. Deuxième chose qui me semble tout à fait important, et que dans les villes,
Parce que la commune, elle est intéressante. Elle n'est pas simplement intéressante pour s'occuper de proximité, etc. Elle est surtout intéressante non, parce que c'est un lieu... Jarry, ne diluez pas votre propos. Non, non, mais je suis précis sur ce que je veux dire. Oui, deux préoccupations, comme on fait le projet. Deuxième chose qui me semble très, très important, c'est pour l'instant, beaucoup des réseaux de contestation, de proposition, de participation, etc., sont construits autour de la commune. Avec le fait que, compte tenu que la commune, elle avait beaucoup, beaucoup de pouvoir... On revient au début de notre débat. On arrête. Parce que, comment on veut... Le Grand Paris est mal parti, hein, si on ne s'écoute pas et on n'avance pas ensemble. Roland, Castro, vous voulez réagir à cette question donc, posée par... Je veux dire que... Ah bon, ce que j'ai entendu, c'est évidemment formidablement intéressant. Et la force actuelle de la société civile. La question qui m'angoisse, c'est la manif du 11 janvier. C'est-à-dire qu'il y a l'horizontale de notre pays marche. L'horizontale, ben elle marche. Différentiellement, on se renvoie au débat hier sur... Enfin bref, il y avait quand même... beaucoup d'Arabes à la manif, ils n'étaient pas trop déguisés en Arabes. C'est pour ça qu'on n'en a pas vu beaucoup. Donc il n'y a pas d'angoisse, il y a de l'horizontale qui marche, et qui marche de façon, en plus, moi je trouve que ce que vous dites, c'est attractif. Donc j'ai envie d'y aller. Par contre, moi j'ai construit, c'est pas encore occupé, mais j'ai construit dans le machin où il y a déjà un site intranet. Bon, moi je ne mélange pas des démarches ascendante populaire à vocation universelle avec un entre-soi de futurs propriétaires. Il y a des limites à la démocratie de base, quoi. Moi, je suis désolé, je suis très flatté parce que ça se passe pareil dans mon immeuble que j'ai construit, mais enfin, la fête des voisins de délicieux à Tanaz, mais enfin, les voisins... Pendant l'occupation, les voisins, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par exemple, les voisins. Donc, je trouve simplement un petit détail, c'est que, et je suis vraiment pas d'accord avec toi, Patrick, je pense que vous ne faites pas assez de politique. Je vous signale qu'aujourd'hui, si vous achetez Le Monde, Marine Le Pen a pris 5 points. Elle a tué le père en direct. Vous savez peut-être... Bon, peut-être ça ne vous intéresse pas du tout, mais tout ce qui est autour de la 104, ça débouche le champagne ce soir. La 104, là, les territoires. Voilà. Alors, d'accord. OK. Bon. Alors, à part ça, si vous voulez même un autre truc, une petite sueur froide. Il y a Séguéla dans le califat. Ça s'appelle Daesh. L'attentat de Villejuif, il marche. On suppose qu'il marche. Là, on a affaire à un abruti qui se tient une balle dans le pied et qui tue quelqu'un en passant, pourquoi pas. Enfin, bon, bref. Si ça se passe à Villejuif, à l'heure de la messe, ça donne quand même une ou deux vieilles dames mortes avec un machin dans la bouche, qui est un débat éternel sur la transsubstantiation, et avec trois gamins et une famille catho-militante de gauche moyenne. Et ça se passe où? Les génies du califat, ils l'ont quand même fait à Villejuif, c'est-à-dire que le monde entier, pas besoin d'en tuer ce coup-là. Il y a le signifiant qui est là. Donc imaginez ce dimanche si ça marchait. Alors maintenant, par rapport à tout ça, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on participe, il faut qu'on soit, il faut qu'on se fréquente, il faut qu'on fasse des fêtes. Enfin, on est à un moment, on est en même temps le sentiment de la libération, et pour sur le plan politique, je suis désolé, Patrick, on est au 18 juin sur le plan politique. Alors, je ne sais pas moi, si dans moi les je voulais juste répondre Béatrice, à Jacques juste, quand même. Juste, oui, bien sûr. Mais je voulais m'assurer que Roland ne faisait pas, résumait pas votre démarche à justement ces dispositifs. À l'entre-soi. Voilà, tout mais à bien fait. Bien sûr. D'ailleurs, moi, je m'intéresse essentiellement à des associations qui construisent des choses et qui vont envers l'extérieur et qui construisent du politique local, absolument. Après, moi, sur la question de la métropole, et je ne veux pas qu'on continue à parler de périmètre, parce que je pense que ce n'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant, mais
je ne peux pas entendre dire qu'on a une approche morphologique. Nous, ce n'est pas du tout notre approche. Nous, on avait construit une carte, par exemple, avec Nadine Catan, qui est dans notre équipe, géographe, donc voilà, elle n'est pas architecte, qui montrait qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler en termes de centre et de périphérie, et on ne peut plus parler, on parle en termes de système. Et donc, c'est bien plus complexe que ça. Donc, c'est vrai que la région est une entité intéressante et pertinente, mais en même temps, ce qu'on a montré aussi avec toutes les cartes qu'on a faites, c'est que la réalité des mobilités et de la vie des gens dépasse largement la région. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'entité pertinente. Donc, moi, ce que je dis, c'est que ce qui se passe au cœur de l'agglo vit différemment de ce qui se passe ailleurs. Voilà. Et donc, c'est tout. Après, moi, ce que je pense... Après, il y a la question des responsabilités. Mais ça va évoluer aujourd'hui. Il existe parce qu'il a un sens. Il y a un système de mobilité qui est à cette échelle de l'aire urbaine, en gros. Mais non, il n'a pas de sens. D'ailleurs, il vient en conflit avec ce qui se passe au fin fond de la Seine-et-Marne, parce que justement, il n'y a pas de sens là-bas. Béatrice, après, moi, ce que je voulais dire, hein, Antoine Grimbach, c'est qu'il ne faut pas... Excusez-moi, oui. Béatrice, le temps est contraint, désolé. Je crains qu'on ne puisse pas... Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas opposer la grande échelle et le local. Parce que justement, moi, je pense que le métropolitain doit s'emparer de cette matière locale pour la bousculer et pour construire l'innovation. Voilà. Et le projet métropolitain, il va se construire sur ce qui existe déjà. Voilà. Et c'est à partir de ça qu'il va réussir à construire un vrai projet. Un vrai projet qui va bousculer. Béatrice, parce que ça ne va pas être juste une addition de projets locaux. C'est l'occasion pour moi de faire un monde honorable auprès de Patrick Ferry, que j'ai un peu bousculé, c'est le moins que je puisse dire. Mais je retiens dans ce que vous avez dit, Patrick Ferry, voilà, c'est ça. C'est bien, c'est le début de la convergence. Dans ce que vous avez dit, et je propose Mireille, comment de nous en tenir là, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'en même temps, il y a des échéances qui sont actées, on ne pourra rien y faire, etc. Et vous avez donné le sentiment qu'à ce stade, de vous être tourné vers la société civile pour parler très vite, en suggérant l'idée que, bah, malgré tout, c'est aussi peut-être en marchant qu'on donnera chair à ce grand métro, ce Paris grand métropole. De toute façon, pour une part, on n'aura pas le choix, c'est tout. Ce que je veux dire, c'est que une part des dés sont jetés aujourd'hui, pas comme je les aurais souhaité, c'est clair. Voilà. Maintenant, c'est dans ce moment qui est là, avec dans ces réalités-là, ces rapports de force politique-là, dans ces rapports sociaux-là, tels qu'ils sont, comment on essaye de déborder le cadre, comment on essaye de porter un certain nombre de choses. Et je pense, à l'échelle de la métropole, que les réseaux qui existent d'acteurs, etc., il va falloir qu'ils se réorganisent, qu'ils se densifient, qu'ils se parlent, que de Saint-Ouen à Nanterre, on se parle, que de Nangis à Saint-Denis, on se parle, parce que pour l'instant, tous ces gens-là se parlent peu. Et si on veut, un peu déborder les choses et essayer un peu d'imposer un autre penchant vers lequel les choses vont aller, s'il n'y a pas cette réorganisation-là, alors on va passer des semaines et des mois qui vont être difficiles, avec des choses qui vont se mettre en place et qui, pour le coup, deviendront peut-être irréversibles, Jacques, y compris dans les contenus. Jacques Lévy, Béatrice, Mariol, Julien, Belair, Roland Castro, vous me faites oui ou non de la tête. Est-ce qu'on peut considérer que ce que vient de dire Patrick alias Ferry Jarry est un élément de synthèse au milieu de nos débats par ailleurs contradictoires? Oui, non, peut-être. Jacques, ok, parfait. Eh bien, voilà. Mireille, peut-être quelques mots de conclusion et d'annonce de la suite. Très, très rapidement, d'abord pour vous remercier parce que ce débat était effectivement, Jacques, je confirme ce qu'a dit Sylvain, est un vrai débat. Donc, c'est ce qu'on essaye de montrer, peut-être. Avec une habitude du public à travailler davantage pour intervenir, peut-être encore davantage, mais c'est exactement ce qu'on essaie de montrer, c'est-à-dire non pas un propos,
mais des propos qui se répondent, voire qui se contredisent et qui continuent à débattre. Ces débats, on les poursuit. Ça me permet de remercier non seulement très vivement le Conseil scientifique d'accepter ce débat public avec ce qu'il a de franc et de clair, mais aussi de vous dire, Jacques, de dire à Patrick Jarry que on a besoin, le Conseil scientifique, l'AIGP, a besoin de maintenir ces dialogues. C'est-à-dire que ce qui fera la force de ce que nous essayons avec ce que disait Pierre Mansa tout à l'heure, c'est-à-dire fabriquer ce projet, si l'AIGP peut y prendre une part, c'est d'une part en essayant de le faire partager, comme on le fait dans les questions vives, mais aussi en réunissant des cercles de plus en plus larges de réflexion. Merci vraiment infiniment de nous avoir accueillis. Merci encore à AXA, à vous d'être présents et à vous de nous accompagner.